ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être le sacrifice de trois générations. Plusieurs guerres, de terribles révolutions. Quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés plus longtemps à la poussière. D'autres viendront, et je les salue comme des frères. D'autres oui, mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. C'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je te consens à mourir. Pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à la justice vivante pour de la justice morte. Frère, je veux vous parler simplement et vous dire au moins ceci pour dire le sable le plus simple de nos paysans. Tuer les enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Alors voilà. Si vous le décidez, j'attendrai tout à l'heure la sortie du théâtre et je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non. Il est la dernière richesse du pauvre et tu le sais bien. Tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir. C'est celui qui t'a dressé sous le fouet, Stéphane, et qui te fait parler encore. Tais-toi, je te défends pas de ça. Pourquoi me dirais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien, que j'étais un assassin. Je te l'ai laissé dire et je ne t'ai pas frappé. Se tuer pour rien parfois que de ne pas tuer assez. Stéphane! Ça suffit. Personne, personne n'est d'accord avec toi. Imagine donc. Je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers et nous avons choisi de l'être. Non. J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Non, il n'y a pas de Stéphane! Ça suffit! L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Tenir prêt à recommencer dans deux jours. Si les enfants sont encore là, eh bien nous attendons une nouvelle occasion. Si la grande duchesse accompagne le grand duc, je ne t'épargnerai pas. Recommencez, Dora. Oui, recommencez, Alexis. Il faut bien faire quelque chose pour l'honneur.